c'est Raphaël Marchelli qui est en selle. Ils sont tous dans leur stalle et ces stalles d'ailleurs qui s'ouvrent à l'instant même. On est parti dans ce huitième et dernier rendez-vous pour la distance de 2000 mètres avec Vol de Loi, le numéro 1, qui est sorti le plus vite de sa stalle de départ et qui vient rapidement s'installer au commandement. Polo the Best, le numéro 6, qui accélère en dehors, avec également le numéro 4, Mantao, au centre. Et voilà, Guetté maintenant, le numéro 10, qui accélère avec donc les deux élèves de Alain Bonin qui se retrouvent maintenant aux avant-postes, même si Polo the Best, avec Olivier Pellier, tente d'accélérer pour venir prendre le meilleur. Mais on le contre à la colle avec l'as Vol de Loi et au centre, le numéro 10, Guetté. Polo the Best, qui accélère encore pour passer derrière le bois et qui s'installe désormais au commandement. Vol de Loi est dans son dos. Mantao le 4 et 3e avec Guetté. Le numéro 10 qui vient ensuite. Capé Bosco est à flanc de peloton alors que Astral Mérite, le numéro 2, tente de refaire un peu de terrain le long de la corde. Suivi encore du numéro 3, Généralissime avec également le numéro 12, Man American. C'est pour le moment Sol Rain le 9 qui est à l'arrière avec le numéro 8, Murillo. On est dans la descente avec Polo the Best, le numéro 6 qui a l'avantage à son extérieur. Le 4, Mantao. Vol de Loi est à la corde. Guetté, le numéro 10 est en 4e position. Avec Astral Mérite qui est à la corde devant Man American. En dehors, Capé Bosco qui tente de refaire un peu de terrain. Shane Bop le 7 est à la corde à la hauteur de Généralissime. Toujours Murillo le 8 à l'arrière-garde avec le numéro 9. Sol Rain, la fausse ligne droite qui se présente maintenant pour Polo the Best. Mantao à son extérieur. Vol de Loi qui est 3e. Guetté 4e avec Man American qui est au centre. Capé Bosco toujours à flanc de peloton. Astral Mérite à la corde qui emmène Shane Bop dans son dos. Généralissime le 3 qui tente de faire mouvement avec également le numéro 14, Magic Run. La ligne droite désormais pour le numéro 6, Polo the Best. Mantao le 4 qui lui met la pression, on vient également facilement avec Guetté. En dehors on a Capé Bosco, Généralissime qui tente de refaire du terrain. Vol de Loi qui est à la corde avec Man American également, le numéro 12 qui tente de revenir. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Mantao numéro 4 qui a pris l'avantage. Mais Généralissime maintenant numéro 3 qui vient avec également numéro 5, Capé Bosco à la corde, on a Polo the Best ainsi que le numéro 1, Vol de Loi. Mais Généralissime maintenant numéro 3 qui a pris nettement le meilleur. On tente de revenir ensuite avec Capé Bosco, avec Mantao à la corde, on a le numéro 1 également, Vol de Loi qui lutte avec un autre concurrent qui est le numéro 15, Slash Life. Et en dehors on a également des bonnes fins de course à l'attractif de Shane Bop ou encore du numéro 8, Murillo. Mais devant, la cause est largement, très largement entendue pour le numéro 3, Généralissime, qui s'impose avec Pierre-Charles Boudot à 12,20€. La deuxième place pour le 16, Slice of Life, 11,60€. La troisième, certainement... Oh là, c'est très serré. Hein, pour la troisième place, on a Murillo le 8, on a Shane Bop le 7... Et on a également en dehors un autre concurrent qui est peut-être le numéro 15, aussi Lyrix. Le 3 s'impose donc à 12,20€ devant le 16 qui était à 11,60€. Et ensuite, on